The captain of the Washington Capitals, his own first shot of the game, caught the back of the twine. And for the Tampa Bay Lightning, just not able... Des histoires, en quelque sorte, qui se ressemblent. Je regarde Vegas, une formation qui a eu tout à prouver du début à la fin. Favori pour absolument rien. On a gagné nos galons. On continue de faire notre marque. Et les Caps, qui eux, depuis le début de la saison, ne les voyaient pas là. Beaucoup d'adversité. Et là... Oh, et quelle réaction, Ovechkin! Et ça, ça veut tout dire. Ça, ça pourrait être un moment marquant dans la carrière d'Ovechkin. Un grand moment de satisfaction. On écoule les dernières secondes. Et enfin, enfin, Alexander Ovechkin atteint la finale de la Coupe Stanley. Chapeau, Caps, vraiment. Et quand on regarde ça statistiquement, ou la meilleure formation, selon moi, l'emporter dans cette série, les Caps ont vraiment dominé cette série. L'eût été du brio de Vasilevskiy du côté du Lightning. Ça aurait été terminé avant ça, selon moi. Mais chapeau, histoire Ovechkin, histoire Barry Trotz. Regardez la réaction à ce moment. Les sourires. Oublie que Braden Holtby, ça a été une saison très difficile, Félix. On regarde ses statistiques, les pires de sa carrière. Et il n'avait pas amorcé les séries. Voilà. Barry Trotz avait fait confiance à Philippe Grubauer pour les deux premiers matchs. Et Holtby blanchit la meilleure attaque de la Ligue nationale en saison régulière lors des matchs 6 et 7. Les Capitals de Washington ont rendez-vous avec les Golden Knights de Vegas en finale de la Coupe Stanley. Ben, ils ne l'ont pas volé. Moi, vraiment, chapeau à cette formation. Chapeau au capitaine qui a mené cette formation avec de la discipline dans son jeu. Il a marqué des buts. Il a fait tout ce qu'il devait faire pour amener cette formation à la finale de la Coupe Stanley. Lui et Kuznetsov, les meilleurs joueurs, selon moi, depuis le début des séries du côté des Caps. Il y a beaucoup de questions en ce moment du côté du Lightning. Beaucoup de déceptions, ça, c'est sûr et certain. J'ai envie de te dire que les joueurs du Lightning n'ont que qu'à blâmer. À égalité numérique, c'est une équipe qui a éprouvé des ennuis. Tu en as parlé beaucoup durant cette série. Mais j'ai envie d'être positif. Et notre verre est à moitié plein. Je pense que la Ligue nationale avait besoin de voir au moins une fois Alexander Ovechkin en grande finale. Et Ovechkin qui va affronter son ancien directeur général, George McPhee, qui est maintenant le directeur général des Golden Knights. Oui, en effet. Et ce qui est important de mentionner également, c'est que les Caps vont se retrouver en finale de Coupe Stanley. C'est une belle histoire. Ovechkin, regardez les deux capitaines. Clairement, l'avantage a été aux Caps. Les meilleurs éléments ont été les meilleurs du côté de Washington, ce qu'on n'a pas vu du côté de Tampa Bay. Là, tu te retrouves avec un Ovechkin en finale de Coupe Stanley. Je suis convaincu qu'on ne veut pas s'arrêter là. On n'est pas satisfait des Caps. Oui, c'est beau. Oui, c'est une belle histoire en ce moment d'atteindre la finale. Mais tu es rendu si près du but, là, tu veux vraiment remporter grand chose. Mais c'est drôle ce qui va se produire. Les Golden Knights, première année d'existence, les Golden Knights vont atteindre et ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Ovechkin, 13e saison dans la Ligue nationale et finalement, il se rend en finale. Alors, vous voyez l'importance pour les deux équipes de ce championnat. On veut marquer l'histoire du côté des Golden Knights et Ovechkin veut couronner sa carrière avec finalement une Coupe Stanley. Ah, c'est sûr et certain. Et tous les joueurs, vraiment, c'est... Je crois que les Caps, vraiment, ont apprécié le fait de se rendre jusque-là en ce moment. Et l'opportunité qui s'est présentée par le passé, trop souvent, beaucoup trop de déceptions. Cette année, on a semblé vouloir apprécier ce défi. Et Renaud l'a mentionné, Ovechkin s'est amené au camp d'entraînement avec une mentalité qui a semblé une mentalité différente, une mentalité de gagnant. Et moi, chapeau qu'il se soit levé dans ces moments-là. Regardez Cooper, beaucoup de respect pour ce qu'Ovechkin a fait. On ne peut pas dire autant de son capitaine. J'adore Steven Stamkos. C'est le match le plus important. Un seul lancé ce soir, on ne l'a pas vu. Et cette image, elle est belle. Barry Trotz atteint la finale de la Coupe Stanley pour la première fois de sa carrière. John Cooper est allé une fois, c'était en 2015. Beaucoup de respect entre les deux hommes. Alors, Alexander Ovechkin, lui, est un homme heureux, un grand moment dans sa carrière. Maintenant, peut-il mener son équipe à la Coupe Stanley face à la très rapide équipe des Golden Knights de Vegas? Ah, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir cette série. Tu as deux équipes qui travaillent très fort et tu as du talent de chaque côté. T'as des bons éléments. Tu as Carlson, Marchessault, des joueurs que pour le moment, on s'avance, va serrer la main à Bill Daly. Il va recevoir le trophée Prince de Galles.
Et il touche au trophée. Trophée qui est remis à l'équipe championne de l'Association de l'Est en séries éliminatoires. Ovechkin touche à ce trophée pour la première fois de sa carrière. C'est la deuxième fois que les Capitals gagnent ce trophée. La première fois, c'était en 1998. Et cette image, Patrick, cette photo, c'est pas la photo absolue, là. On veut l'autre photo, l'autre celle trophée. Avec la Coupe Stanley. Mais quand même, c'est une image qui était attendue depuis si longtemps par les amateurs partout dans la LNH, voir les Capitals champions de l'Est. Oh, je te dirais même en 2009, souviens-toi, le Canadien à Lac avait éliminé les Caps. 2009-2010, c'est ça. Et les dernières saisons, tout était en place pour voir ces Capitals remporter cette Coupe Stanley. Bien là, on va avoir une chance de le faire finalement. Alors, superbe image. Et nous, ça nous permet de vous présenter les trois étoiles de ce match numéro 5.